Eh ben, salut! Aujourd'hui, on va parler de votre livre Santé et Nature. Alors, la nature est un bon guide quand on la vit, elle nous montre toujours le chemin. Alors, le mode de vie sain est un sujet qui intéresse de plus en plus le grand public et les professionnels de la santé. Le mot naturel a plusieurs significations, notamment non traité, non synthétique, existant dans la nature. En plus de faire la différence à la condition d'être naturel, le mot naturel peut également faire référence à quelque chose qui est sans cause ou sans cause. Beaucoup de gens considèrent la nature comme un lieu de tranquillité, d'inspiration et d'émerveillement. Il regorge de vie, de vitalité et de beauté. Concept de la santé naturelle qui repose sur la conviction qu'il est plus simple de maintenir une bonne santé que de traiter une maladie. Selon la médecine traditionnelle chinoise, le corps humain est comme une machine complexe qui ne fonctionne efficacement que lorsque toutes ses parties sont en bon état de fonctionnement. Et oui, les humains qui choisissent de vivre selon les voies de la nature ont tendance à voir le monde comme plein d'opportunités pour le bien-être physique et mental, et ils interprètent les données des études de la nature comme preuve que les humains font partie d'un écosystème avec d'autres animaux ainsi que l'environnement. Les amateurs de plein air trouvent rafraîchissant de passer du temps dans la nature après avoir passé du temps à l'intérieur de leur bureau ou des usines. Et bien sûr, dans l'ensemble, les avantages d'être en bonne santé sont trop importants pour être ignorés. Les gens qui sont fiers de leur santé vivent plus longtemps et en meilleure santé. Ceux qui aiment la nature se sentent plus vivants que ceux qui n'y passent pas de temps. De plus, passer du temps dans la nature donne aux gens des sentiments de paix, de liberté et de bien-être qu'ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs. Donc, pour avoir le livre sur votre santé et la nature, cliquez sous le lien de cette vidéo pour atterrir sur cette page et n'oubliez pas votre like, commentaire et bien sûr la petite cloche pour les notifications. Et moi je vous dis ciao ciao les amis!